pas souvent dans les problèmes et les pinceaux. Je me maquille même là, c'est pour fermer les problèmes là, Seigneur. Mais malgré ça, il y a trop de problèmes dans la vie là. Les gens te voient belle, belle là, ils ne savent pas que ce que tu endures dans les foyers là-haut. Si seulement j'avais écouté ma mère. Ça c'est le problème qu'on est en train de frayer là. Quand tu bois, tellement les problèmes me dépassent là où tu me vois là, je ne sais pas. Ah bon, pleurer, c'est pas pleurer, mais maquiller même pour faire, même pour les problèmes, pour ne pas ressembler à mes problèmes. Mais c'est pas le rigolo de Bernard là. Lui là, il prend l'argent la fin du mois. Si ce n'est pas qu'il va prendre l'argent pour donner à sa mère, c'est les nièces. Moi-même, l'argent, j'avais déjà les projets que dans la fin du mois là, il me donne même 200 ou 300 000. Attends d'abord, tu commences à beaucoup chanter là. Dans les projets là, tu es avec Bernard, ça fait combien de temps? Des années. Il ne t'a pas ouvert quelque chose que tu peux te débrouiller? Les projets là, c'est sur l'argent, c'est les Bernard. Explique jusqu'à la fin. Je te dis, il va m'ouvrir quoi ça si ce n'est pas sa famille qui va venir. C'est comme si il y aura un gang sous la badolo. Dès que c'est la fin de moi, ce n'est pas la mère qui tombe malade. Oh. C'est quelle maladie? C'est quelle mère? C'est combien qu'on a pu demander à la mère qu'il puisse maintenant dire que je sais pas. On a demandé à sa mère plus d'un million. Voilà, Bernard dit que l'argent qu'il avait des projets de me donner là. Il ne me donne plus ça. On prend tout pour parler à sa mère. Si tu me vois là, c'est pas moi, je veux mourir avant les parents de Bernard. Je veux pas mourir là avant les parents de Bernard. Sa mère qui ne cherche même pas à venir te préparer à manger là. La belle-mère, quand j'arrive souvent là-bas, la bouche me balayait comme ça là, comme une pelle. Encore les gens du Haut-Togo, tu es là, donc tu vas encore rester là. Je quel choix. Mais là, c'est pas ce que tu me vois là, tu ne me noyais là, sur ma bière, parce que ça me dépasse. La belle famille qui attend toujours tombe malade qu'elle a rentré. Si ce n'est pas la maladie, c'est quelqu'un qui a rentré. Le neveu a volé ou quoi? On a arrêté. Mon argent ne fait que diminuer. Ça là, j'ai dit aussi assez. Tu me vois, je parle comme une folle. Tu me vois même, je marche. Je termine même de me laver. Je suis en train de réfléchir à haute intelligible voix. Parce que, Mouyen, Karabéna, mais ça, tu veux partir en dossier, tu peux venir ta belle-mère à l'hôpital. J'ai quel temps? Tu me vois là, j'ai un temps. Est-ce que tu es aussi sûr qu'elle est malade? Mais c'est le vœu au Seigneur, je connais quoi. Mais ne pense pas aussi seulement que tu vas aussi appeler un membre de la famille. Mais chaque membre de la famille, 10 000, 10 000, 10 000, parce que là, nous tous, on a des problèmes. C'est tout. Moi, je ne comprends pas le foyer. Là, on se moque de moi ici, là, que non. C'est quand j'ai un de foyer. Je suis jeune et moi, je ne suis pas bien. Les enfants ne battent pas bien à l'école. Je vais encore appeler ma famille pour dire que non, paye l'école. Bernard, je te dis que je souffre. Je souffre dans le foyer, là. Oh non. Bonne chance.